Bonjour à tous et toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On est ici pour une vidéo DIY. Ça sera pour un DIY pour les enfants. Hein. Voilà. Et ce DIY, ça va être donc pour Halloween. C'est des petites choses qu'on va faire ensemble. Enfin, je ne vais pas tout faire. Donc, avec du papier WC, hein, avec cartonnage du papier WC, on va faire tous des petits personnages comme ceci. Comme ça peut amuser les enfants. Comme ça. Comme ça. Et on va faire celui-ci ensemble aujourd'hui, la citrouille. Voilà. Donc pour ça, il faut vous munir d'un petit pinceau. Enfin, moi j'ai pris un grand, c'est tout ce qui me restait. Les autres sont. J'avais oublié de les décoller, mais c'est un vieux celui-ci, donc il n'y a pas de souci. De l'acrylique orange. Ou ce que vous voulez, mais comme on est dans le thème orange, on va faire orange. D'un feutre indélébile, enfin un feutre ou un feutre normal, moi c'est un indélébile. Et là, c'est quelque chose que je vais vous expliquer après. Ben, après ça. Donc, c'est pour les enfants, vous pouvez les amuser avant Halloween. On est dans l'automne, donc c'est le moment maintenant de préparer deux, trois petites histoires comme ça pour les amuser. Tchouk, 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 tchouk. Voilà, allez, on commence. Et alors, vous prenez des petits bâtons pour faire les bras, des petits bâtonnets. Donc, vous allez chercher ça dans les arbres. Et alors, des petits feuillages. Voilà, comme ceci. Ça, vous mettez ce que vous avez envie. Vous pouvez le découper dans une feuille. Moi, c'est en tissu. Donc, voilà. C'est ce qu'on m'avait envoyé, mais je ne sais plus qui. Voilà. On va les faire ensemble. Donc, et votre colle chaude qu'il vous faut. Alors, pour colle chaude, et alors pour sécher le heat gun. Un peu plus vite, donc vous mettez la peinture orange dessus. Hop, c'est quelque chose qui va très vite, mais c'est très amusant pour les enfants et ça peut les occuper un petit peu. Ici, je vais le faire pour Pinot. Je rigole. Donc, vous étalez bien hein, tout le long du cartonnage ici. Voilà, moi j'aime bien celui-ci, Frankenstein. Voilà. C'est mon préféré. Donc on va faire ça tout le long. Ici, je ne sais pas couper, mais bon, ça va vite quand même à faire. Donc, on va laisser un peu comme ça. Donc, vous étalez un partout. Hein. Voilà, regardez. Voilà, vous pouvez faire ça le week-end pour vos enfants. Préparer Halloween, parce qu'on y sera très très vite. Puisqu'on est en plein milieu d'automne. Et vous savez que le 31 octobre, c'est Halloween, la nuit d'Halloween. Voilà. Voilà, une fois que vous avez fait ça, eh bien, on va le sécher avec le gun. Donc, excusez-moi, il y aura un tout petit peu de bruit, mais ça va aller vite. Que ça c'est fait, soit que vous prenez votre marqueur, vous faites les yeux comme ceci, pardon, ou soit que vous avez des yeux comme ceci, ben, vous les collez. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais plus comment on dit, il y a un nom spécifique, mais on s'en fiche. Voilà, vous mettez ceci, donc chacun faites à vos bouts en plus. Voilà, hop, je vais prendre le marqueur. Et on va dessiner ben, les yeux au marqueur. Donc deux triangles à l'envers. Donc la pointe vers le bas. Je vais les faire les deux. Voilà. Moi je trouve que c'est mieux de les faire au marqueur. Comme ça les enfants, ben, ça passe un peu plus de temps pour les occuper, quoi. Voilà. Alors la bouche. Faites un zigzag. Hein. Méchante bouche, enfin, c'est pas la citrouille la plus mauvaise. Hein. Voilà, après, vous refaites vers le bas, comme ceci. Je vais vous montrer. Attendez. Hein. Voilà, comme ceci. Et après, vous repassez dedans pour faire devenir tout noir. Voilà.
Et surtout pas des moments pluvieux comme ça, mais comme ça les enfants ils s'occupent. Et surtout avec le coronavirus, il y a des moments ben, on ne sait plus quoi faire et tout pour les sorties. Ben, occupez vos enfants, ça va être Halloween. À faire tous des petits crayons comme ça. Ça va leur occuper leur esprit. Et puis, ils seront dans le bain. Moi-même, je suis une enfant là maintenant. Voilà. Quoique. Voilà. Faut pas que ça soit parfaitement bien dessiné, hein. Faut pas déconner non plus. Voilà. Donc, quand ça c'est fait, vous avez deux petites branches, comme ceci. Pourquoi je suis, j'en sais rien. Ça, c'est une chanteuse LP qui m'a mis ça dans la tête. Comme ceci, on va mettre une pointe de colle. Oh, la terre sera pas plus basse. Attendez, hein. Prenez votre pistolet à colle. Et on va installer les petits bras. Voilà. Une pointe ici. Et hop. Voilà. Une petite ici. Vous n'êtes pas obligé de mettre au même endroit. Hein. Vous pouvez décaler, ce sera plus joli. Alors, il y a un morceau ici en trop. Voilà. Attendez, hein. Celui-ci, je l'ai mal mise. Voilà. Voilà, vous pouvez le mettre comme ceci ou alors comme cela. Hein. Voilà. Voilà. Hop. Voilà. Et alors, moi, je vais mettre deux petits feuillages comme j'ai mis là. Étant donné comme les feuilles tombent, comme ça, ça représente l'automne et puis Halloween. Voilà. Prenez deux feuilles comme ceci ou autre. Hein. Ça, vous mettez ce que vous avez envie de mettre. Donc, vous remettez une pointe de colle. Derrière les branches. Hop. Voilà. Je vais le faire depuis un moment, mais je ne me décidais pas. Donc, si je ne me fais pas maintenant, c'est pas bien. On va mettre l'autre ici. Voilà. Vous voyez? Attendez. Hein. Je vais retirer ça. Hop! Voilà, et puis là, vous marquez Halloween, hein, tout simplement. Hein. Halloween ou citrouille. Ben, je vais marquer citrouille, étant donné que j'ai déjà marqué Halloween. Voilà. Je vais marquer. Voilà. Voilà. Ben, quand ça c'est fait, ben voilà, vous pouvez en faire plusieurs, comme moi j'ai fait là maintenant. Voilà, c'est fini. Vous voyez comme ça va vite. Hein. Voilà, regardez. Tout simplement. Ici, j'ai marqué citrouille. Ici, Halloween. Voilà, et puis voilà, je fais ça, un petit Frankenstein. Ça, vous faites comme vous voulez. Hein. C'est facile, toujours ben, des marqueurs, la peinture, la colle chaude, et voilà. Un petit fantôme. Et ça, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas. Je ne saurais pas vous dire c'est quel personnage. Voilà. Mais enfin, vous pouvez faire ce que vous avez envie, puisque c'est Halloween. Voilà, bah dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, pour les enfants. Et alors, je voulais vous montrer quelque chose. Donc, ici, j'ai fait un pot. Mais en principe, vous pouvez laisser donc un bocal que vous lavez, tout ça. Vous le laissez transparent. Et alors, vous mettez une bougie dedans. Voilà. Et vous pouvez faire ça pour Noël aussi. Hein. Vous mettez dedans. J'en ai déjà fait. De toute façon, il y a 5 ans de ça. Voilà. Vous mettez voilà, une lumière. Donc, vous mettez un peu de gaz. Puis, de petits yeux comme ceci. Et ça fait son affaire. De petits yeux. Tac, tac, avec du gaz. Et voilà, une petite lanterne. Et puis, vous faites différemment si vous avez envie. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Voilà, c'est un petit partage. Un petit DIY pour les enfants. Plus pour les enfants que pour les adultes. Mais enfin, les adultes, je sais qu'il y a encore des enfants dans le coin. Donc, amusez-vous, quoi, et vous avez raison. Voilà, sur ce, commentez, partagez, likez. C'est pas des choses qui sont très très longues à faire, donc amusez-vous, quoi. Voilà, tout ce que je peux dire. Voilà, donc à une prochaine vidéo, si Dieu le veut. Et bien sûr, comme il voudra, hein, c'est toujours comme ça. Bye bye, à plus. Ciao, ciao.